À un jet de pierre de l'hôtel de la préfecture à Madingou, chef-lieu du département de la Bouenza, se trouve un terrain de 2 hectares acquis et loti par la direction générale du port autonome de Pointe-Noire en 2016, à la faveur des festivités du 56e anniversaire de l'indépendance nationale. Faiblement utilisé par les cadres du port autonome de Pointe-Noire et sollicité par la communauté urbaine de Madingou, ces bâtiments ont été cédés à cette administration dans le cadre de la politique sociale de l'autorité portuaire. Les installations objet de la présente cérémonie comprennent un bâtiment de longueur 21 mètres sur une largeur de 5 mètres, soit une superficie de 105 mètres carrés comprenant 5 bureaux et 3 toilettes. Une dépendance à l'arrière de longueur 13 mètres 50 sur une largeur de 3 mètres 45, soit une superficie de 46,57 mètres carrés, servant de bureau annexe. Une bâche à eau de capacité 10 mètres cubes. Un parking, là où nous nous trouvons, de superficie 200 mètres carrés. Une réserve foncière à l'arrière de superficie 4500 mètres carrés. Ces travaux ont été réalisés pour un coût de 78 842 032 francs CFA, toutes taxes comprises. Sécurisés par un mur de clôture et dotés de toutes les commodités, ces bâtiments feront la joie des bénéficiaires. Nous disons simplement merci, merci, merci. Après la remise des clés des bâtiments, l'acte de cession a été signé par le donateur et le bénéficiaire en présence de Jean-Louis Osso, président du conseil d'administration du port autonome de Pointe-Noire, qui a fait un don des médicaments à l'hôpital de Madingou.